Ok. Noah Delémon, ce soir, c'était un peu dans la maîtrise, ce match face à Clotone. On a l'impression que vous avez un peu géré les moments qu'il fallait, les moments clés, sans trop paniquer, sans trop en faire. Ouais, alors je pense qu'on n'a pas géré consciemment. Je pense qu'on avait un plan de jeu, on a essayé de le respecter. Si ça veut dire gérer, alors oui, on a bien géré les moments clés, je pense, ça c'est vrai. Je pense qu'on a réussi à bien réagir à chaque fois qu'on a encaissé un but, on a réussi à reprendre l'avantage direct, puis je pense que c'est ça qui a fait la différence. Finalement, les seuls moments où vous étiez vraiment en danger, c'était à 4 contre 5. C'était la discipline, l'élément clé. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a vu qu'ils avaient un bon power play avant le match. Ça s'est confirmé sur leur premier power play. Ils n'ont pas marqué, mais on a vu qu'ils étaient dangereux. Puis après, on a essayé de rester loin du bois de pénalité. Puis je pense que c'est ça qui nous a aidé en grande partie à gagner le match aussi. Et à titre plus personnel, vous n'avez pas beaucoup joué jusqu'à présent. Ce soir, il y avait vraiment la chance de se montrer. Vous avez su le faire. Comment vous avez vécu ce match? Ouais, je pense que, comme je l'ai répété il y a quelques reprises, je suis là, j'accepte mon rôle. Chaque minute qu'on me donne, j'essaye de donner le maximum pour convaincre l'entraîneur et puis le staff de me mettre plus sur la glace. Alors, si aujourd'hui c'est chose faite, comme tu le dis, tant mieux. Et puis, la semaine prochaine, c'est retour au travail pour continuer la progression. Merci bien. Merci.